Qui a pris la rousse de... Oui, c'est le premier. Le premier logo, là, le premier. Le cher, le jeune de... Ah oui, mais il pas comme ça. Non, je viens de c'était lui, avait 4 ans, c'est qu'un. Moi j'ai trouvé des taureaux. Alors ça ils arrivent à l'état. Regarde-moi un peu, Cartin. Oui. Que je l'envoie à ta mère. Y va. Je l'ai mis un peu à jour. Pour les classer, voilà. Je l'ai classé un peu. Mais. Il paraît qu'il n'a pas été mal. Je ne suis pas allé moi parce qu'il y a pas trois courses. C'est bien lui. Ah, c'est lui. Je pense vraiment qu'ici il y a de l'espace et ils n'ont jamais souffert. Mais les taureaux que j'ai vus, parce que je suis président des maladies d'Occitanie, on est une vingtaine là-bas. Ouais. Alors il y a Jeannot Lafon, il y a Chevalier, il y a Rouquette. Les vitoux, les machins comme ça. Et ils ont crié au secours au mois de novembre, octobre-novembre. Et c'était sec, il y avait de l'herbe comme on a dessus. Ah, moi je pensais que c'était les intempéries. Mais non, il n'a pas plu là-bas comme ici. Depuis le mois de mai, l'année passée, il ne pleuvait pas. Il a plu un peu cet hiver. Vous vous rendez compte de ce que ça fait. Alors, on leur porte, d'accord. Mais ça coûte cher, et puis ils n'en ont jamais assez, comme quand ils mangent de l'herbe et un petit supplément. Voilà, le repas n'était pas... Ben voilà. Ouais, ils sont beaux, C'est certainement le taureau que je trouve. Certains fils de Cassius. Mais Cassius, il avait fini par... Battu, il est boiteux et il est d'accord avec ça. Mais voilà. On est 9h26.
Du Renault, tu te rappelles ? Non, mais c'est un Ah, c'est régal, merci Patrick. Ah, avec plaisir. Ça va ? Paul, ça va ? Le Marlou qui avait chanté. Le Marlou. Voilà. Josette, tu as honte ? Là, c'était pour mettre. Non, mais ça, il faut le mettre dans un truc. C'est pas grave, ça. Regarde, c'est tout plein. Il faut mettre une vitesse. Donne une fourchette, tu le prends. Oui, mais il faut automatique. On va couvrir les cornichons bois. Ce qui restait de l'autre fois. Ah non, ouais, il a resté. Tu vois, t'avais raison, il a resté. Ah ouais, j'ai porté de gros couteaux aussi, là. Dans la console, c'est bon. Mais là, elle marche pas pour moi. Là, c'est du famille mort. Là, nous. Ah oui, Théo m'a dit que pas je crois. C'est le mot de zéro, ça. Oui. Oh, elle est brave, elle est gentille. Où est le stylo, Maïs? Ah oui, c'est ça. Ah oui? J'ai coupé une belle tranche là. C'est une selle espagnole. La selle typique des vaqueros espagnols. Argentine. Pour les gauchos. Très simple. Ce sont des selles actuelles ou ce sont des anciennes? Oui, actuelles. Elles sont encore actuelles.
Bon, ça l'a un peu vieille. Oui, mais c'est pour ça que c'est le même. Comme... Voilà, ils donnent toujours le même. Enzo. Uruguay. Non. Le sel d'Amazon du Pérou. Équateur. Avec de la peau de chèvre. Parce que quand il pleut, les longs moutons ça reste, mais là avec les longs poils, l'eau peut couler par terre. Des alpagas ou des petits alpagas? Ça, je sais pas. Non, mais. Non, parce qu'elles ont. Il est... Mais c'est possible. Les chèvres parce que, à longs poils, comme ça, on dirait un peu de l'alpaga. Régis, c'est Australie. Pour les kangourous. Pour trier les kangourous. Là, c'est une selle d'armes françaises, de l'armée française, de la Première Guerre mondiale. Selle anglaise, classique pour dressage ou jumping. Ça la vient des États-Unis, mais... Josette, pour qui c'est ça? Non, mais... Oui, mais c'est le drapeau américain, il y a du bleu, du blanc et du rouge aussi. Mais non, mais... Alors celle-là... Ah oui, il y a un drôle de feu. Pour les chameaux. Ah, voilà, d'accord. De Tunisie, ouais. Sénégal. Non, parce que j'ai pas l'étrier que j'ai trouvé dans ça. Éthiopie. Et là, ouais, ces étriers, ils montent pieds nus avec les... Ouais, comme les tongs. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire, ça là, peut-être qu'il ne voit pas derrière. Alors, Moyen-Âge. Moyen-Âge, France. Louis XIV. Celle d'Amazon. Et qui montait cette scène? Amazon. Moyen-Âge. Ouais. C'est la marquise. Non. Alors, c'était pas une dame. Donc, c'était un homme. Moyen-Âge, Amazon. Mais quel homme? Un roi? Non. S'il montait en Amazon, est-ce qu'il avait une robe? Une robe. Un curé? Ah ouais, pas un curé. Ah non, le curé, c'est une selle de curé. Et il pouvait ouvrir cette partie, il y a quatre boucles, et avoir une selle normale. C'était pas mal. Ouais, ouais. Et là, de ce côté, il y avait comme une planchette, et ils mettaient leurs pieds. Ouais, il était bien, hein, on a pris siège. Afghanistan. Bon, là, il manque un peu une partie du poumon. Et en Afghanistan, ils ont un jeu qui s'appelle le bouchtaki. C'est l'ancêtre du polo, mais avec une chèvre morte. Mais ils doivent attraper la chèvre et la mener du point A au point B. Mais ils peuvent se l'arracher et ils peuvent se taper dessus. Pas avec la chèvre, mais... Non, on dirait. Ça, c'est du chameau, mais non. Non, Tibet. Tibet. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça, c'est pas une selle, c'est un badane du Portugal. Pour les ânes, un bas pour charger l'âne. Très léger en paille. Une autre selle d'Amazon, mais classique, avec une forme de corne différente. Celle-là, elle vient d'Italie, de la Maremme, en Toscane. Et là-bas, ils élèvent des taureaux blancs et des chevaux noirs. C'est des gardiens, enfin, comme des gardiens, il y a des marées. Mais en Italie.
Ça, là, je ne vous la présente pas, vous la connaissez. C'est un grand cavalier, ça. Rachel, elle est allée dessus, non ? Portugal, qui, si on la regarde bien, est assez similaire avec notre sel. Plus la sel à piquer française. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, le roi du Portugal était un Français. Et qu'il se... Et donc il a apporté le costume et la selle de France. C'est pour ça qu'elle est assez proche. Et quand on regarde les cavaliers portugais, ils ont le tricorne. Ils sont habillés en français. Et si vous ne le savez pas, notre selle, c'est une copie des selles des croisés. Vous êtes au courant de ça ? Les croisés, les gardiens étaient ici, les croisades sont parties des Gomorres. Ils ont trouvé ces selles-là, ils ont mis le son confortable. Elles étaient légèrement plus hautes pour soutenir, ils avaient l'armure, et quand ils faisaient les tournois, ils soient soutenus. Et ces étriers en forme de cage, c'était pour protéger le pied pendant les guerres. Comme ça, ils ne pouvaient pas couper le pied. C'est pour ça qu'au Portugal, c'est assez... à l'origine, c'était la même chose. États-Unis, celle de Roping, celle-là. Et deux selles du Mexique. Celle-là, c'est la selle typique des Charros. Et celle-là vient de l'état de Sonora. Et à la Basse Californie, l'état de Sonora, et ils ont des selles spéciales. Voilà. Oh, t'as Lyon. Oh, j'adorais ce taureau. Sous l'œil.